choisit celle qui lui succède. La prêtresse désignée entre dans le monastère. Elle s'empare de ton pouvoir et devient la nouvelle reine. Oh mon Dieu, mais alors? La plupart étaient prêtes à donner leur âme en échange de ce don. L'âme de la première et dernière reine est désormais prisonnière d'un corps sans vie. C'est donc ça. Ce n'est pas un transfert de pouvoir. Non, c'est bien un transfert d'âme. Toutes ces reines, elles étaient... toi et Nico. Première et dernière. Oh mon Dieu. Maintenant tu veux Sam. Je ne te laisserai pas faire. Je crois qu'elle s'en bat les couilles, hein. Mais littéralement, elle te regarde, elle fait en mode je m'en bats les couilles, frère. Sam. Ah, attends, le loot, ouais, le loot, il est là. Un réceptacle pour l'âme de la reine. Hop. Je dois. Je n'ai d'autre choix que d'affronter mon destin. Ce soir, je gravirai les marches qui mènent à la chambre du soleil. Mais je ne serai ouais, vas-y, Lara, lola. Je ne serai pas reine. Personne ne me croira, bien que je connaisse la vérité. Un démon s'est emparé de la reine solaire. Un démon qui ne se contentera pas des terres du Yamatai. Il faut mettre fin à cette folie. Alors j'irai dans la chambre, armée de la dague que j'ai volée au général des gardes tempêtes. Le temps qu'ils comprennent ce que j'ai fait, il sera trop tard. Pour le bien du Yamatai, je dois mourir. Mais non, meurs pas, madame! Ok. Mettre fin à cette folie. Ben oui. Ok, bah du coup, il reste juste à aller faire ce truc qui est là. Si là, tu la sens, la fin du jeu, qui est genre là. Ils auraient surtout appelé les Ghostbusters. Enfin là, c'est... Who you gonna call? Tombusters! Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est par là. Hein. Tiens, et puis même là, il me laisse du loot. Vous êtes gentils, les gars. Vous me laissez du loot. Ouais, il y a la relique au bout du couloir. Nice. Est-ce que je regarde? Ouais, ok, elle est... Ok. Dans le petit recoin qui sera au bout de cette salle. On prend le loot. Parce que n'oublions pas... Oh, attends, serait-ce un deuxième feu de camp là-bas? Mais oui. Point de non-retour. Ouais, s'il y a un truc qui s'appelle le point de non-retour, les gens, ça sent la fin du jeu. Probablement du début de l'ère Edo. Alors je sais pas qui c'est Edo, mais apparemment il a l'air, hein. Mais ouais, ça sent la fin du jeu. Du coup, le sanctuaire de l'abîme est terminé à 100% les bitches. Ok, passage sacré. Ça fait nous juste un petit point de sauvegarde. Allez, on y va. Oula! Je crois qu'il y a un peu de vent. Ouais, Ziggourat de l'abîme. Ça, je vais vous le dire les gens. J'avais regardé un petit peu sur un guide en ligne pour voir la progression du jeu. Et Ziggourat de l'abîme, c'est le dernier chapitre. Donc j'aurais pu faire un stream de 2 heures. Mais bon, 3 heures, c'est bien aussi. Allez. Bien. Non! Non, pitié! Lara! Pourquoi est-ce que tu fais ça, Mathias? Parce que t'es un connard! Tu crois peut-être que tu vaux mieux que moi, Lara! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Ouais, 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 on y croit. Combien de vies as-tu enlevé pour faire de même? Il n'y a pas de héros ici! Iniko est dangereuse, Mathias. Elle est en colère, elle a soif de vengeance, et ses pouvoirs sont immenses. Une simple mortelle en échange d'une reine. Notre liberté vaut bien ce petit sacrifice, non? Ouais, alors là, le caca est en train de devenir réel, comme on dirait.
y a pas de loot. Alors c'est quoi ton premier réflexe quand t'arrives dans une nouvelle zone, Babou? Bah regardez s'il y a du loot. Hein. Enfin, faut juste l'accrocher à quelque chose en fait, c'est tout. Ah non, mais le mec il en a trop pris, gros. Hein. Ah bah, je peux aller par là, dis donc. Je peux aller par là. Ah, oh, attends. Là-bas. Trouvé. Et le mec il a fait un incendie. C'est ça. Il a fait un incendie. Non, c'est pas une bonne idée, il faut monter, on a dit. Ok, nickel. Allez hop. Heureusement que j'ai pas de barre d'endurance, tu m'étonnes. Parce que j'arrêterai pas de faire le con avec. Tu m'étonnes. Ok. Wait, what? Ah, attends. Je m'en vais tester un truc là qu'on me dirait nos copains au Québec. Non? Ah, attends. Hésitant. Voilà! Ah oui, là c'est clair qu'elle pourrait faire les JO, cette chère Lara. Allez, faut que tu grimpes, ma grande. Wow, ça devient un tendax les gars. Hein. Je vois bien que je vais utiliser ce truc là, mais j'utilise sur quoi après? Alors... Ah, là-bas. Ah, c'est malin ça. Garan que c'est intelligent. Oh putain, oh bonne mère. Je crois que je suis mort. Tout va bien. Je crois qu'il faut pas que j'utilise de trucs pour faire. Oui. Ah, c'est bon. J'avais juste loupé le QTE. On est bon. Lara, attention! Ces enfoirés se dirigent vers toi. Oh, bonne mère! On a fait tout ce qu'on a pu pour les ralentir. Merci, Reyes. Allez au bateau. Si je ne reviens pas, on ne partira pas sans toi. On t'attendra. C'est pas ce que tu disais au dernier stream, madame. Hein. On va pas dire, mais tu te contredis, ma chère Reyes. Allez. J'ai appuyé sur la touche, mais par réflexe quoi. J'avais même pas vu le truc. Tout va bien. Ouais, on peut grimper. Ah, mais c'est bon, les mecs d'Assassin's Creed, c'est des petites bites à côté. Hein. Ok. Oh là là, plus de convenience sur 20. Ça, réflexe piolet. Je crois que c'est par là. Il y a un peu l'angle de caméra qui dit hey, dis donc, c'est par ici. Voilà, remets-toi. Bonjour Emiko, comment allez-vous? Non mais ça mon cher Ogma, c'est un détail. C'est un détail. Vestibule de la ziggourate. Pause
À votre santé au passage. Je crois... Ouais. Je crois que nous venons d'atteindre le dernier feu de camp du jeu, mesdames et messieurs les gens. Ah, puis j'étais persuadé qu'on disait un ziggourat et pas une ziggourat, tiens. En même temps, je dois vous avouer que ziggourat, c'est un mot que je croise pas souvent quand je lis des trucs, hein. Ni même au boulot, d'ailleurs. Il y a des débris qui lui tombent dessus, là, en mode NP. Non, mais c'est bon, je sens rien, les mecs. Vous êtes vraiment des petites bites, hein. Voilà. Comment je monterais tellement bas dans ce contexte. Non. C'est par là que je t'explose le pimpon. Révèle-toi que cette enveloppe mortelle accueille ton âme. Révèle-toi et renais à la vie. Révèle-toi et descends parmi nous. Il est juste ma boule et sa copine qui se déparque. Toujours aussi imagé, mon cher Ogma. Le problème, c'est qu'il y a un peu de vent. La subtilité, c'est pour les tapettes. Coucher. Sa maman. Mais alors la subtilité, je passe en mode de la subtilité, je connais pas. Putain, mais code d'amis, Togba, il est pas doué en maquillage. Il s'est fait buter par son pote. Putain, vous êtes vraiment des poulets les mecs, hein. Vous êtes vraiment des poulets. À côté. Ah bonjour. Scénarium sur 20. Oh putain, Ogma. Il s'appelle Miko dans un environnement glacé. Psychose Miko. Et j'ai envie de dire hashtag placement de produit. Tu crois que c'est le moment de faire des modifications d'armes? Marc, tu me diras, je peux parler, je suis bien en train de looter. Coucher, j'ai dit coucher. Ça m'a mis. Bien.
Mais c'est vrai qu'ils sont attentionnés, ils attendent que j'arrive pour que je puisse bien empêcher le truc, tu sais. Oh, bonjour. Vous êtes des boulets. Allez. Ah, et Nico qui pourrait rejoindre du death metal. Bah écoute, elle est déjà morte, donc la partie death c'est bon. Même si techniquement la partie death dans death metal c'est le groupe death et pas les trucs sur la mort. Allez, flotte convaincance sur 20 épisode 2. Pas l'air con tout seul comme ça. Bah attends, il y avait des mecs avec un fusil d'assaut là-haut, je vais aller récupérer leurs munitions moi. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attends. Ah, c'est bon. Vite, vite. Hop. Putain, avec tout ça, ils ont pas eu le temps de finir leur rituel, mais c'est vraiment une bande de boulets, hein. Mais avance plus vite Lara, on sait que c'est la cinématique, mais quand même. Hé, hey, t'es là toi. On dirait le chef des Bocobines dans Palais de Tristesse. D'accord, il est vulnérable dans le dos. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi goûter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Pas de bras, pas de chouette, c'est ça. Aïe. Allez, tape. Tape, ma grosse, tape. Ok. Ah, putain, foiré, cul, couille, bite. Ah non, chier. Putain, chouchouche, il est là. Ah, tu les bouge, 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 tu les bouge. Non, putain, chier, cucouille, bite, va. Allez. Allez, viens là que je t'explose la tronche. On est bon. On a eu le croc, monsieur. Ça va pas m'empêcher de vous looter, les gars. Ouais, ça sent la fin, je sais pas ce que vous en dites les gens, mais ça sent la fin.
76% et notre objectif est juste là. Salut les mecs! Espèce de connard. Oh god, Ogma, j'avais même pas fait gaffe à ta vanne. Il est mouru. Il lui a mis 20 ans, ça. C'est tout ce que tu retiens de cette cinématique, Ogma, t'es sérieux? Qu'est-ce que tu fais, Lara? Oh mon dieu, il a retué Himiko! Il était chatouilleux, le docteur Mapouille. Putain, Ogma! Pas expert, mais je pense qu'on a fini. Adieu la Death Metal Queen. Où sommes-nous? Dans ton cul. Je suis là. Tu ne crains plus rien. Ça va aller. Tout ira bien. Tu m'as sauvée. J'en étais sûre. Je t'avais fait une promesse. On rentre à la maison. Ouais, 4 survivants, Lara, Reyes, Sam et Jonah. Donc techniquement, on aurait pu parier que le prochain mort c'était Mathias. Mais voilà. C'est Lara! Elle est avec Sam! Elle a réussi. Qu'elle va s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est fini. On peut partir maintenant. Allez, on fout le cours d'ici en vitesse. Ouais, bonne initiative. C'est ce que j'aurais fait aussi. J'ai été si aveugle, si naïve. Trop longtemps j'en ai voulu à mon père. J'ai douté de lui, comme les autres. Pourtant c'est lui qui avait raison. J'aimerais tant pouvoir le lui dire. Bah, il est peut-être caché quelque part sur l'île, si c'est comme dans le film. Hein. Tous ces mystères dans lesquels je ne voyais rien d'autre. Très bon résumé, Zekichi. C'est passé quoi? Bah, je voulais looter, mais on m'en a empêché. Obscur et fragile. Je dois trouver des réponses. J'ai besoin de comprendre. Une survivante est née. Terminer le jeu. Ok. Bon, bah là les successives nous le confirment, nous sommes au bout du jeu. Besoin de quelque chose? Je sais pas ce qui s'est passé sur cette île, mais vu ses blessures et votre regard, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, vous rentrez chez vous. Je ne rentre pas chez moi. Oh
jamais où elle va. Ça, je crois que le savoir où elle va... Voilà, a survivor is born, une survivante est née. Allo, looter anonyme. Ouais, puis on gagne 1110 d'XP, comment c'est trop bien. Nous espérons que vous avez apprécié Tomb Raider, nous avons travaillé très dur pour vous apporter le meilleur jeu que nous puissions faire. Merci d'avoir pris le temps de terminer notre jeu. Eh ben, merci, messieurs, mesdames et messieurs de chez Crystal Dynamics et de Square Enix pour nous avoir fourni ce jeu, ma foi, fort pas piqué des hannetons. Moi, je le dis, je l'affirme, et en conclusion, je le pense. J'ai vraiment, vraiment aimé ce jeu. Pour vous dire, honnêtement, quand j'avais entendu parler du reboot de Tomb Raider, que j'avais vu des images, j'avais craché dessus, parce que je m'étais dit, ouais, c'est pas dans l'esprit des anciens Tomb Raider, c'est Uncharted avec des boobs, tout ça, tout ça. Et puis, il y a eu en promo Steam, je me le suis acheté. Et puis... on l'a lancé en stream. Et j'ai adoré. Franchement, super jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer un jour, que ce soit sur console ou sur PC, n'hésitez pas. Franchement, vous passerez un très très bon moment si vous êtes un tant soit peu comme moi, que vous aimez l'aventure, l'action, la plateforme et le loot. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va faire en stream? Je pense qu'on va laisser finir le générique. Faire les salutations d'usage pour YouTube et on en parlera après. Par contre, ce que je peux vous dire... en termes de streams qui seront rediffusés sur la chaîne, on devrait enchaîner dès la semaine prochaine avec les rediffs de Cuphead. Alors la semaine prochaine par rapport au moment où c'est diffusé, bien sûr, pas au moment où c'est streamé. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être l'épisode 23. On commence l'épisode 13 cette semaine, donc 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, si je consulte le... calendrier tout à fait calendaire. Qu'est-ce que ça donne? Donc, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Ça veut donc dire qu'on commencera la rediffusion de Cuphead le 15 mai. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Tout ça. Et du coup, vous dans le chat, ceux qui sont toujours présents, vous avez pensé quoi de Tomb Raider? Dites-moi. Je vous ai donné mon avis, mais j'aimerais bien avoir le vôtre aussi. Il est tout aussi important. Et du coup, il faudra que je regarde sur le fichier vidéo pour voir celui qui a la tronche Dogma, ça pourrait être marrant. On était bien là, ouais. Ah ben voilà, mon cher Zenkichi, il a tout compris. Et du coup, ça veut donc dire qu'il va falloir que je me prenne le Rise assez vite. Parce que j'ai bien envie de continuer cette trilogie. Si, honnêtement, si Rise est du même niveau que ça, il risque de pas mal défourailler du pimpon chatoyant. Quand on a plus de sa série, c'est le loot, évidemment. Évidemment. C'est comme, disait la fameuse chanson. It's the final loot down. Maintenant, ce serait pas le titre du dernier épisode, The Final. Je vais me le noter pour pas oublier. Ah. Enfin bon, affaire à suivre dans Rise. Cela dit, Rise, je sais pas si je le ferai en stream ou en simple let's play. On verra bien. Mais vous pouvez vous attendre à voir Rise débarquer sur la chaîne à un moment donné. Et puis bien sûr, par la suite, si Rise me plaît, Shadow qui doit sortir en septembre, si je dis pas de bêtises. Bon, probablement pas Day One. Mais à un moment donné, il y aura probablement du Shadow of the Tomb Raider qui arrivera sur la chaîne.
Web. Savez quoi? Je vais profiter du générique pour aller faire un petit truc vite fait. Je reviens dans 2 minutes. Et religion. Outlast 2 était pas long, il a duré 7-8 heures à peu près. C'est pas énorme. Mais il est encore long leur générique là. C'est un peu ça le problème des jeux AAA comme ça, c'est que le générique il s'étend pendant à peu près une demi-heure. Extreme Edge. Rallonge la durée du stream, c'est ça. Après, Flozar quoi, un jeu d'horreur qui dure 30 heures, au bout d'un moment, ça devient gonflant, je trouve. Puis bon, faut faire durer le scénar pendant 30 heures. Autre difficulté. Ah, les remerciements spéciaux, on doit arriver à la fin du générique. Épisode spécial générique, quand même pas. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, Flozar Coach. En fait, j'ai deux options qui me tendent bien. Je pense qu'une fois qu'on aura fini à arrêter Tomb Raider, je soumettrai les options au vote des viewers et on verra bien. Parce que je pense que si j'avais terminé le jeu 20 ou 30 minutes plus tard, je sais ce que j'aurais voulu faire. Mais le problème, c'est que ce que j'ai en tête, c'est bien pour un petit truc, une demi-heure, une heure. Une heure, plus d'une heure, ça deviendrait lourd, je trouve. C'est pour ça que je vais vous soumettre les deux options. Je vais vous soumettre le vote, on verra bien. Les AAA, c'est ceux de Tony Brognard. Bonne blague, Roxor.
Survivants sont nés. Oh, c'est quoi ces survivants-là? Ah, d'accord. Je pense que ça doit être les gamins de ceux qui... Les gamins qui sont nés dans l'équipe de dev pendant le dev du jeu. Je sais pas pourquoi. Je vois bien ce genre de truc. Et ils ont appelé un gamin Tutti. C'est quoi ce prénom de merde? Homme. T'as homme. T'as regardé, c'est homme. Puis on fait ok. c'est un prénom. Allez. Malheureusement, je m'en rappelle de cette image. Et ben voilà. Alors, est-ce qu'il y a une scène post-crédit ou pas? Alors, félicitations, vous avez terminé l'histoire et complété le jeu à 78%. Vous pouvez retourner sur l'île en sélectionnant continuer pour terminer les quêtes inachevées. Ben voilà. Moi qui voulais savoir si on pouvait explorer et récupérer ce qui reste, on peut le faire. Alors, contrairement à ce que j'avais dit, je vais pas le faire en let's play, je vais simplement le faire en mode... je vais simplement le faire de mon côté pour arriver au 100%. Mais le let's play sur Tomb Raider s'arrête ici et maintenant. Donc, avant de déterminer ce qu'on va faire pour le reste du stream sur Twitch, on va faire les salutations d'usage pour YouTube. C'est donc ainsi que ça se termine notre série sur Tomb Raider. Je vous remercie d'une part d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, ça va le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir, sinon plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si vous avez envie de tout ça, vous le savez. La vidéo, je me disais, ça fait plaisir. Les mots épiques et les fails avec les hashtags associés, ça vous le savez. Merci à vous d'avoir suivi Tomb Raider. Et pour les rediffs de stream, Cuphead commencera d'ici quelques jours. En attendant, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.